Shalom, chers amis, conformément à une demande, jusqu'à Pessah, nous allons étudier les lois de Pessah. Et bien aujourd'hui, les médicaments cachers pour Pessah. Et bien, tout d'abord, tout ce qui n'est pas pris par voie buccale n'est pas de la nourriture, donc il n'y a pas de question à ce sujet. Comme par exemple, des injections, des suppositoires, toutes sortes de crèmes à usage extérieur, désinfectants, gouttes pour le nez, pour les oreilles, pour les yeux, inhalation. Tout ça, c'est pas de la nourriture, c'est cachère. Maintenant, ce qui s'injure sur par la paix, par la bouche, eh bien, si ça n'a pas de goût, ce n'est pas de la nourriture. Un médicament n'est pas de la nourriture, il n'y a aucun problème. Mais si ça a bon goût, comme des sirops, comme des médicaments qui se sucent, alors il faut qu'il y ait quelque chose de cachère. Et maintenant, pour ce qui est des vitamines, ce sont des médicaments. Mais il y a aussi des ajouts de nourriture, nourriture condensée. Ça, ce ne sont pas des médicaments, ça c'est de la nourriture, ça doit être cachère, même si ça n'a pas de goût. La nourriture sans goût, comme de l'eau, c'est quand même de la nourriture. Et que Dieu vous préserve en bonne santé. Shalom.